Bonsoir, cette année encore, je veux dire juste un seul chiffre. C'est que lorsqu'aujourd'hui nous traitons deux personnes dans le monde, il y en a cinq qui s'infectent. Et donc on est en train de courir après l'épidémie. Et quand on vous dit que les chiffres sont stables, ça, ce sont des manières optimistes, mais absolument pas réalistes de voir les choses, car en fait, l'épidémie n'est absolument pas contenue. Alors cette année, nous avons placé le thème de SIDAction sur la prévention, les nouveaux traitements et la qualité de vie des malades, et j'allais dire la qualité des soins, car une de nos préoccupations, ça va être la qualité des soins dans les années qui viennent. Car nous avons des difficultés au quotidien pour la prise en charge des malades, et les malades ont des difficultés au quotidien, mais vous les connaissez, sur la discrimination qui ne baisse pas, et sur leur qualité de vie qui ne s'améliore pas forcément, même si évidemment et heureusement, ils vivent beaucoup plus longtemps. Alors les pistes de la recherche, ce sont évidemment des pistes pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes, avec des médicaments, développent de nouvelles maladies. Pourquoi, en vivant plus longtemps avec les traitements que nous avons, on voit apparaître de nouvelles maladies. Et donc, il va être très important d'investir maintenant non seulement dans les médicaments, dont nous avons toujours besoin pour les personnes qui ont des virus qui deviennent résistants, mais pour comprendre pourquoi certains médicaments, ces médicaments peuvent aussi entraîner à long terme des choses que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a vécu 40 ans avec les traitements que nous donnons aujourd'hui aux patients? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, malgré ces traitements, une personne sur trois arrive dans nos hôpitaux à un stade très tardif, une fois que le déficit immunitaire, que les défenses sont vraiment altérées. Et malgré les traitements que nous avons, les chances de récupération sont beaucoup plus faibles et ces patients ont quand même un pronostic qui est extrêmement entamé. Et ça, c'est une authentique préoccupation. Comment faire passer ces messages pour favoriser le dépistage précoce, pour prendre en charge cette maladie avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième aspect sur lequel il faut qu'on travaille, parce que cette année, il y a eu quand même un événement qui est quand même une lueur d'espoir pour les chercheurs qui, comme nous, travaillons sur le vaccin depuis des années, c'est cet effet tout à fait modeste d'un vaccin qui n'en est pas un, mais qui est un signe où des personnes qui ont reçu ce que nous appelons un candidat vaccin, eh bien, se sont retrouvées protégées d'une infection. Donc les choses sont statistiquement, vous savez, mathématiquement, sont posées comme ça un peu froidement. On peut les discuter, mais c'est un signal. Ça veut peut-être dire que cette image que vous avez vue, eh bien, peut-être est une réalité. Je ne sais pas quand et personne ne pourra vous le dire. Mais c'est-à-dire qu'il est peut-être possible de se protéger contre ce virus. Et si c'est cela, si ceci devient possible, dans le domaine du possible de la science, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère et qu'on passe à un autre niveau des recherches. Et pourtant, vous nous avez entendu pendant 20 ans dire qu'il nous fallait de l'argent, mais aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on passe à un autre niveau. Et là, nous sommes extrêmement inquiets, parce que notre ennemi, c'est la banalisation. La banalisation du sida au niveau politique, la banalisation du sida en termes de financement qui reste complètement plat, la banalisation du sida dans les esprits et peut-être aussi la banalisation du fait qu'on ne trouvera jamais un vaccin. Alors il y a peut-être quelque chose à porter, mais on ne l'aura pas tout de suite. Et pour vous donner une idée, cet essai unique de vaccins qui n'était absolument pas des vaccins d'une vieille génération a coûté 150 millions de dollars sur 5 ans. Lorsqu'on conçoit un vaccin et qu'on le teste, c'est 8 à 10 ans. Si on se trompe, on a mis 10 ans. Donc il faut qu'on multiplie les pistes. Il nous faut donc multiplier les sources de financement pour essayer aujourd'hui éventuellement d'avoir une lueur d'espoir, en tout cas qu'elle se concrétise. Alors c'est à notre portée, on en est convaincu, mais aujourd'hui on n'est pas au niveau des financements. Alors SIDAction, pour nous les chercheurs, c'est quasiment un militantisme. C'est un militantisme pour les associations, c'est un militantisme pour les chercheurs, et ce qui est extraordinaire, c'est que nous militons ensemble. Et pourquoi c'est un militantisme? Parce que nous savons que nos équipes, grâce à SIDAction, aux programmes ambitieux et parfois risqués, mais au moins originaux, eh bien nous pouvons attirer dans ce domaine aujourd'hui de nouveaux chercheurs et surtout des jeunes chercheurs. L'Académie, les financements des équipes, c'est essentiellement nos équipes des instituts de recherche, car il n'y a plus d'industrie pharmaceutique avec nous sur le développement du vaccin. Donc c'est grâce à vos messages que nous pourrons passer pendant ce week-end, que peut-être nous pourrons attirer ou des chercheurs confirmés,
ou des jeunes chercheurs qui n'ont pas voulu vous rejoindre dans cette recherche parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est compliquée, peut-être parce qu'elle est encore marginalisée. Et donc c'est grâce à vous. Donc au-delà de l'argent, il faut parler encore du sida, et sans vous, on ne pourrait pas le faire. Donc je vous remercie au nom des chercheurs et des malades de votre mobilisation à nos côtés. Merci.